Le week-end, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette éventuelle mesure? Écoutez, on a mené une concertation samedi qui a duré près de 3 heures avec l'ensemble des parlementaires et des maires des grandes villes. Le préfet a joué son rôle de concertation et c'est vrai que le constat selon lequel notre département connaît une crise sanitaire inédite et ne peut continuer ainsi a été partagé par l'ensemble des acteurs. Plusieurs pistes ont été élaborées, comme l'a indiqué votre consoeur sur Nice. Et effectivement, celle d'un confinement local le week-end semble être la piste la plus réaliste et la plus simple à mettre en œuvre rapidement. Et nous avons demandé de manière unanime la possibilité de restreindre les allers-retours dans notre département, puisque nous connaissons ce pic épidémique depuis les vacances de Noël, période à laquelle beaucoup de personnes se sont rendues dans notre département et depuis les chiffres n'ont jamais baissé, ils ne font qu'augmenter. Donc, comme on le voit d'ailleurs sur la carte de France, ce sont dans les zones qui sont proches des frontières ou dans lesquelles il y a des grands aéroports qui sont le plus principalement touchés par cette explosion épidémique. Donc nous souhaitons vivement que le gouvernement puisse répondre à cette demande. Est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas pris des mesures plus tôt pour éviter justement cet afflux de tourisme dans cette région très prisée, on l'imagine, pendant les vacances? Cela fait des semaines que nous demandons au gouvernement de prendre des mesures plus strictes, de nous permettre de vacciner en masse la population niçoise. Cela fait des semaines que nous le demandons avec Christian Estrosi, Éric Ciotti, d'autres élus. La semaine dernière encore, j'interrogeais le gouvernement lors des questions au gouvernement en leur demandant de faire un effort supplémentaire. Nous avions l'impression de ne pas être entendus. Nous avions l'impression que finalement la situation que l'on connaissait n'intéressait pas plus le gouvernement. Je regrette que les décisions n'aient pas été prises plus tôt. Maintenant, il est encore temps d'agir, mais il faut que ces décisions soient prises rapidement. Je ne comprends pas pourquoi, alors que les annonces devaient être faites hier soir, nous prenons encore du temps et du retard alors que l'urgence est réelle. Alors effectivement, on voit bien que le gouvernement cherche à tout prix à éviter le confinement. On a vu que pendant tout le week-end, il y a eu des tractations au niveau local et aujourd'hui encore, on attend toujours ces mesures. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Le préfet nous a annoncé qu'il attendait encore des confirmations de la part du gouvernement. Donc le problème ne vient pas des élus locaux, ne vient pas de la concertation qui a été faite. Il vient du gouvernement qui attend pour annoncer les mesures. Peut-être qu'ils ont besoin de faire des évaluations au niveau des coûts. Peut-être qu'ils se rendent compte, enfin, et ils prennent la mesure de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Alors, peut-être qu'ils prévoient déjà d'autres scénarios pour le futur si la situation doit encore se dégrader. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais véritablement, nous sommes dans l'attente et nous espérons qu'enfin des décisions soient prises. C'est ce que nous regrettons depuis le début de cette crise sanitaire, le manque d'anticipation. Maintenant, il faut absolument agir et agir vite en faisant comme l'ont fait les Anglais, puisque ce qui est très compliqué chez nous, c'est que nous avons un variant britannique qui est très fort, qui est très contagieux, mais qui est déjà très présent en nombre dans le département. Donc, il faut faire comme l'ont fait les Britanniques, à savoir un confinement qui soit assez strict et en même temps avoir une campagne de vaccination massive. Le ministre de la Santé nous a annoncé 3 500 doses supplémentaires pour cette semaine. On en est très heureux d'avoir des doses supplémentaires. Mais comprenez bien que dans un département qui compte 1 million d'habitants, 3 500 doses, ça n'est pas suffisant. Il faut absolument accélérer et très rapidement. Merci Marine Brenier d'avoir été avec nous sur France Info. Je rappelle que vous êtes députée LR des Alpes-Maritimes et conseillère.